bouge ton corps. Dilate ton cœur. Ouvre ton esprit. Et n'attends rien. Sois simplement ici et maintenant. Reçois. Bonjour à vous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons fêter l'équinoxe. L'équinoxe qui porte une énergie suffisamment puissante puisqu'elle nous amène à la lumière, à la lumière du jour et de la nuit, dans une équanimité. Elle nous plonge dans un commencement, dans un aboutissement de quelque chose qui se trouve en arrière, dans le temps linéaire qui est le passé. Elle nous amène à nous ancrer dans une nouvelle énergie de reconnexion, d'émergence, d'une nouvelle rencontre avec soi-même, une énergie d'éclosion, de dilatation. Et il m'a été guidé de vous donner, de vous offrir un soin complet qui va vous permettre de trouver une sensation de reparamétrage profond de vos cellules au niveau de tout l'ensemble de vos corps. Donc, si vous êtes prêt, si vous êtes prête, eh bien, nous allons faire l'expérience d'un soin alchimique de transformation en profondeur qui va dégager tout ce que vous avez mis en conscience, tout ce que vous avez pu lâcher, tout ce que vous avez pu transformer dans votre psyché, sur votre propre chemin d'exploration intérieure. Et cela va vous permettre également de vous détacher, délester de nombreux poids qui sont encore parfois vibrants, encore existants dans votre corps chimique et dans votre corps psychique, qui est la première manifestation de votre âme humaine incarnée et imprégné de votre histoire cellulaire, de votre histoire familiale. Donc là, il y a comme une sorte de dégagement, d'enlèvement de plusieurs voiles, de changement de manteau, de vêtements, qui va vous permettre de mettre votre visage à la lueur du jour où le soleil, les premiers rayons du printemps vont vous réchauffer autant le visage que le cœur, autant vos mains que vos pieds. Je vous invite à vivre l'instant présent. Accompagnez votre respiration de votre conscience, mentale qui fusionne avec votre sagesse intérieure, de canaliser vos pensées uniquement sur l'observation et accompagnement
de votre respiration. À travers un inspire et un expire, dont la danse intemporelle irrigue tous vos corps subtils ainsi que votre corps chimique. Que l'oxygène que vous inspirez, portant les impuretés avec l'expiration, s'immisce à l'intérieur de la cellule, dans son espace interstitiel, dans son espace intérieur et extérieur. Que la membrane cellulaire de la cellule mère de votre corps chimique, qui est l'atome germe, comme une carte mère de votre propre ordinateur, qui est le moteur de l'intelligence innée de votre corps chimique. Que la cellule mère reçoit la lumière divine, extrêmement pure, qui vient directement de la source, d'une eau jaillissante venant du dessous de vos pieds, ainsi descendant du dessus de votre crâne. Une juxtaposition de la lumière céleste avec la lumière terrestre, qui vient de la profondeur du cœur cristal de la terre Gaïa, ainsi que du cœur des cœurs du cosmos, de celui que l'on nomme le soleil central, peu importe la nomination linéaire. Une rencontre verticale, canalisée par la cellule, de toutes les cellules de votre corps chimique qui se positionne selon son information et sa mission dans tous les organes, comme la cellule hépatique, la cellule rénale, la cellule stomacale, la cellule pulmonaire, qui compose tout l'ensemble de tous vos systèmes organiques. Que l'osmose se rétablit dans une communication fluide sur le plan énergie, informé par cette source jaillissante de l'amour divin, de l'amour qui reconstitue ce qui a été abîmé, dans une information réparatrice, restauratrice, des membranes de chaque cellule qui ont été polluées, déchirées, intoxiquées par de la nourriture céleste ou de la nourriture terrestre, peu importe la fréquence sur laquelle votre corps inné a vibré, en recevant des pensées toxiques ou de la nourriture invariée. Toute cette énergie venant des sources terrestres et célestes se mettent au diapason pour reconstituer une harmonie afin d'engendrer un processus de réparation
de régénération, de réhydratation en profondeur dans tout l'ensemble des tissus de vos corps subtils, y compris des tissus de votre corps chimie, que vos tissus conjonctifs, que vos tissus épithéliaux et que vos tissus nerveux se réparent dans les moindres fibres supraluminiques dans leur dimension organique, que vos systèmes nerveux, l'ensemble de vos systèmes nerveux, puissent recommuniquer dans un silence divin au-delà du brouhaha de la peur mentale qui surgit de nulle part, que ceci, ces systèmes nerveux se réparent, se redensifient dans l'unité, en accueillant un nouvel élan de vie à travers un repos bien mérité, à travers une récupération de toutes les énergies qui ont été dilapidées, éparpillées dans d'autres dimensions à cause de perturbations électromagnétiques à travers un sommeil non réparateur, à travers une période éprouvante. Tout n'est que cycle. Accueillons ce nouveau cycle de l'émergence de l'équinoxe qui nous amène à fermer des portes et à ouvrir d'autres portes. Comme un nouveau son d'un rouge éclatant, tous nos systèmes de capillarisation sur tous les plans dans notre chimie ainsi que dans notre éther et dans notre prana puissent être irrigués dans toutes les capillarités de l'orteil jusqu'à la racine de vos cheveux. Toute une matrice tissée dans un sillage supraluminique, étincelant, pur, de lumière unifiée qui descend dans une spirale autour de votre tête, de vos épaules, pour embaumer d'un nouveau parfum votre aura qui se nettoie comme un nettoyage qui se fait attendre dans vos cellules pour célébrer le printemps, l'émergence d'un nouvel enfantement. Que votre bassin s'aligne avec votre voûte du diaphragme sur le côté droit, comme un détachement d'anciennes cristallisations, d'anciens schémas de croyances, dans leur substance qui se dissolvent, qui se désorganisent pour disparaître dans le néant. Cela vous amènera à lâcher et à renouveler, régénérer une nouvelle pensée
à travers un nouveau regard sur l'extérieur. Et tout le côté gauche est en train de s'assouplir, accueillir ce qui vient comme douleur, comme spasme. Tel est le processus vibratoire œuvrant dans la profondeur de toutes vos couches, les plus profondes aux plus superficielles. Que votre côté gauche portant, votre puissance féminine connectée avec votre cerveau limbique dans la sphère cérébrale droite, se mettent au diapason dans une danse intemporelle de votre âme avec votre puissance masculine portée par le côté droit de votre corps et impulsée par l'électricité et le magnétisme de votre cerveau cartésien au niveau de votre côté gauche. Tout un circuit spiralé qui s'entrelace avec fluidité au niveau de votre colonne de lumière portée par votre colonne vertébrale. Tout est en train de se réorganiser. Tel le chef d'orchestre qui est la voix qui me porte. Un réajustement se fait au niveau de vos orteils, du pied gauche, du pied droit, au niveau du gros orteil, réflexe de l'hypophyse. Toute une coordination d'interreliance et d'interreconnexion se fait avec tous les circuits les plus profonds et les plus superficiels au niveau de votre cerveau, longeant la cartographie de vos méridiens, dégageant tous les roues énergétiques, les nadis, qui se dessinent dans une perfection inaltérable et bien souvent oubliée par le mental humain. Dégagement de la gorge au niveau du creux de votre cou, au niveau du fond de votre palais inférieur et supérieur, comme une remise en place de votre structure osseuse, telle une réparation de l'architecture de l'ensemble de vos corps, comme une cathédrale intérieure rénovée par la magie de la lumière que vous avez contactée par le biais de l'inspire-expire conscientisé. Que la sphère ORL se dégage de différentes fumées selon votre ressenti personnel. Tout est parfait, tout est à sa place dans le reparamétrage profond de vos cellules à travers le pôle de la cellule mère qui est la porte-parole
de votre âme céleste, en fusion avec votre âme humaine incarnée dans votre corps de chair. Là, maintenant, une réorganisation dans une toute autre coordination cellulaire qui est en train de se faire. Peu importe votre ressenti, ne cherchez pas l'extraordinaire. Soyez uniquement dans une disponibilité ouverte. Ne cherchez aucune sensation, car le mental veut toujours contrôler uniquement pour exister. Soyez simplement dans une écoute de réception, dans un silence à l'intérieur de vous, car vous êtes l'être-té qui loge à l'intérieur de votre cœur, sous cette cathédrale thoracique. Continuez à ouvrir en conscience votre charpente thoracique. Laissez pénétrer le flux de la vie à travers l'air qui rentre dans les différents circuits, notamment à travers le système pulmonaire. Oh, I am. Ces sons vibratoires vont vous bercer en transperçant les manteaux opaques qui obstruent encore votre mental. Un mental qui continue à vibrer sur des schémas de croyances si anciens qu'il continue à remonter à la surface de votre psyché. Que ces sons vibratoires puissent les faire remonter pour les faire disparaître, pour que vous puissiez continuer votre chemin, le cœur ouvert et d'un pas plus léger, en posant vos intentions naturellement dans une évolution de guérison, quelle que soit l'expérience que vous vivez dans l'instant présent. Ooh, hey, ouverture de vos omoplates, rempart protecteur de votre voûte diaphragmatique, qui est le plancher de l'écrin dans lequel se love l'énergie pure de votre cœur, de votre cœur chimie, qui bat à chaque instant et qui
vous amène à vous rendre compte que vous êtes la vie, pas uniquement en vie, mais que vous êtes la vie. Hey, dilatation. Ho-a-e-yana, assouplissement. Hey-a-um, réconfort. Hey-a-umana, émergence d'une nouvelle vision intérieure en chacun de vous. Dans cette énergie de naissance, d'émergence de la vie, peu importe les événements à venir, que toutes les morts de cycle se réalignent avec votre histoire transgénérationnelle et votre histoire cellulaire pour une renaissance d'un nouveau moi divin en vous. Car tout n'est que éternel commencement et recommencement à travers un cycle de mort et de naissance dans toute la symbolique, comme une cellule qui meurt à chaque instant pour accueillir une nouvelle cellule qui reprend le chemin de la vie comme un relais. Mort et renaissance non altérés par la peur, hologrammés dans votre psyché, là, maintenant. Un renouveau, un repos, un réconfort, une régénérescence afin que vous puissiez ouvrir là maintenant les yeux dans un éclat de sourire intérieur dessiné sur vos lèvres. Et comme si le cristallin de vos yeux a repris l'éclat, un nouvel éclat d'une nouvelle détermination, d'une foi renforcée, d'un nouvel élan de vie, d'une reprise de dignité, dans une équanimité vibratoire la plus stable possible dans vos deux polarités, dans votre masculinité et dans votre féminité, avoir confiance en ce que vous ressentez, que maintenant votre mental se loge dans votre cœur, stabilisé par votre bassin, dans une assise psychique et émotionnelle beaucoup plus solide pour aller diriger votre propre vie dans une maîtrise de plus en plus conscientisée. Dans une nouvelle énergie d'amour et de foi et de confiance, et de sortir des chemins de traverse de vos pensées. Revenez à vous, petit à petit. N'hésitez pas à boire de l'eau. Et comme je vous l'ai dit,
Ne soyez pas inquiète, ne soyez pas inquiet. Des signes de tension, de douleur qui remontent à la surface, cela fait partie, bien entendu, de l'alchimisation de tout ce qui est encore dans la non-lumière en vous et qui sont cristallisées, des mémoires cristallisées uniquement par la croyance de devoir souffrir, ce qui sera la thématique de la capsule suivante et qui est une suite tridimensionnelle et multidimensionnelle de la capsule précédente, de la libération du sentiment de la culpabilité. Nous allons explorer en continuant à se donner ce rendez-vous ensemble pour explorer notre conscience humaine en lui offrant l'affranchissement de toutes les prisons mentales. Soyez dans les prises de conscience, soyez dans le lâcher-prise, en respectant votre rythme, bien entendu. Observez sur quelle fréquence vous mettez votre mental au service de la peur ou au service de l'amour divin. Acceptez toutes ces fluctuations comme les vagues incessantes de l'océan. Un va-et-vient de toutes sortes de fluctuations psycho-émotionnelles. Et s'il y a des peurs paniques, comme beaucoup en ce moment, cela vous amène à voir la grande souffrance et la prison mentale dans laquelle vous êtes. Évidemment, dans un non-jugement de soi. Et cela montre la grande blessure comme une plaie qui s'est ouverte. Et c'est le moment d'y déposer beaucoup d'amour à l'enfant intérieur, à l'âme humaine qui a tant souffert, sans aucune victimisation, bien entendu. Mais il est important de prendre de la hauteur et de voir la souffrance mentale dans laquelle on a fait l'expérience. Il est temps maintenant de s'ouvrir et de ne plus souffrir. Il est temps. Merci. Merci beaucoup de votre réceptivité. Je profite pour vous proposer de me rejoindre dans l'atelier holistique en ligne le 24 mars, le dimanche 24 mars, où nous allons, dans une intimité du groupe, continuer à s'affranchir de toutes les carcasses psycho-mental pour aller chercher notre pouvoir créateur en se sentant de plus en plus dense, responsable et surtout léger, comme un dédoublement de soi-même qui va se réunir dans un mental beaucoup plus léger et éclairé.
Je vous attends avec plaisir si, évidemment, le cœur vous appelle à me rejoindre, soit en direct, soit en replay, bien entendu. Et de faire l'expérience du soin à votre rythme. Ce n'est pas la quantité qui compte, bien entendu, mais c'est la qualité de votre propre disponibilité et de vous donner l'occasion d'être uniquement dans le ressenti sans que votre mental s'en mêle. Soyez dans cette expérience sans aucune attente. N'attends rien, tu auras tout. Et crée l'expérience dont tu crois être digne à l'intérieur de ton cœur, mais non pas à l'intérieur de ton cerveau. Mes amis, je vous dis bien le bonsoir et merci encore de votre accompagnement dans ma pleine réalisation, comme moi je vous accompagne dans votre pleine réalisation. Nous sommes tous dans l'unité, œuvrons ensemble et ayons confiance en ce qui se passe, en ce qui va se passer. Car tout ce reparamétrage dans le jeu d'ombre et de lumière, dans le collectif, se fait aussi dans votre cellule, à vous, qui est unique. Redevenons uniques tout en étant unis ensemble, vraiment, dans la matière et dans la non-matière. Dans le cœur, dans le bassin et dans le cerveau crânien. À bientôt, les amis, à bientôt.